Tu joues vraiment bien. Ah, tu te perds dans la musique. C'est tellement beau à voir. Tu sais, quand je te vois comme ça aussi concentré, tu me fais penser à un moine en pleine méditation, comme si rien n'existait. C'est vrai, notre déesse de la musique t'a fait un beau cadeau en te donnant ce merveilleux talent. Vidya, c'est vrai que je joue très bien de la guitare. Mais toi, tu as aussi énormément de qualités, tu sais. Tu peux gérer très bien une situation difficile. Mais moi, tu ne pourras pas me pacifier. Car je suis très en colère contre toi. Tu as refusé que l'on fasse mon opération. Je sais que je t'ai fait beaucoup de peine, Sagar. Je me suis rendu compte de mon erreur. Et je suis venue te demander de me pardonner mon erreur. Pardonne-moi, s'il te plaît. Tu veux que je te dise, dès mon enfance, j'ai entendu ma mère dire que le devoir d'un mari et d'une femme est de se rendre heureux l'un l'autre. Quoi qu'il arrive, même si cela nous fait souffrir, et de ne pas être égoïste, c'est leur devoir prioritaire. Et j'ai aussi appris d'autres choses, comme le plus important dans un mariage, et de respecter l'autre et de ne jamais lui faire de mal. Et moi, j'ai fait tout de travers en toute connaissance, malgré tout ce qu'elle m'a enseigné. Je te fais la promesse que dorénavant tu n'auras aucun reproche à me faire, advienne que pourra. Je ne te ferai plus jamais de mal. Je ferai tout mon possible pour te rendre heureux. Promis. Pardonne-moi, je me sens si fautive. Ne dis pas ça. Tu sais, j'ai fait une erreur moi aussi. Mais qu'à compter de maintenant, je ne te ferai plus de mal, tu ne souffriras plus. Tu ne verseras plus de larmes. Tu seras, dorénavant, toujours heureuse et souriante. Je ne te gronderai plus devant tout le monde. Je ne crierai plus sur toi. Plus jamais. J'ai aussi commis une erreur. Une erreur impardonnable. Je suis désolé. Pardonne-moi. 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 Chut. Je suis désolée. C'est à moi de te demander pardon. Je suis désolée. Non, pardonne-moi. Allez, oublions tout ça. Fais-moi un sourire, Sagar. Un grand et beau sourire. Regarde, comme ça. Un magnifique sourire. Pas de larmes. Mais je suis tout de même désolée. Non, je suis désolée. Oui, Arche, c'est moi.
J'ai enfin pu trouver Mawa. Elle est assise à la terrasse du restaurant de l'hôtel. Très bien, mon ami, parfait. Maintenant, dis-moi si elle a déjà terminé son repas ou si elle est encore en train de manger. Attends, je vais te dire. D'après ce que je vois, elle a terminé son repas. Mais pourquoi est-ce que tu me poses cette question? Tu voudrais que j'aille la desservir, si je comprends bien, c'est ça? Espèce d'imbécile, ouvre bien tes oreilles. Je t'ai emmené de Benares jusqu'ici pour te marier avec Mawa. Pas pour faire le maître d'hôtel, hein? Maintenant, dis-moi, est-ce qu'elle s'est levée ou est-ce qu'elle est assise? Attends, je vais te dire tout de suite. Elle vient de se lever, elle est debout. Dis-moi maintenant si ses amis sont partis ou si elles sont encore avec elle. Elles s'en vont. Elles se disent au revoir et s'apprêtent à partir. Magnifique, Lalan. Voilà ce que tu vas faire. Dès que Mawa est sur le point de quitter le restaurant, toi tu arrives l'air de rien, comme si tu étais là par hasard, et tu commences à discuter avec elle à propos de tout et de rien. D'accord. Elle doit vraiment avoir l'impression que tu viens juste d'arriver. Tu comprends, Lalan? Tu dois jouer la comédie, est-ce que c'est clair? Oui, pas de problème, j'ai tout compris. Écoute, mon ami, ton sort est à présent entre tes mains. Tu sais ce qu'il te reste à faire à partir de maintenant, hein? Hein? Oui, pas de problème, Arche. Mawa. Kartik, je t'ai déjà dit des centaines de fois que je n'aimais pas du tout qu'on nous voit ensemble dans les lieux publics, c'est très gênant. Mawa, pourquoi est-ce que tu ne veux pas entendre ce... Ce n'est ni l'endroit ni le moment pour parler. Oh mon Dieu, c'est pas vrai! Cet imbécile va faire capoter mon plan! Écoute, Mawa. Mawa, s'il te plaît, écoute-moi. Kartik, moi, je ne veux pas te parler, est-ce que c'est clair? Je vois. J'ai compris son manège. Cette espèce de Voria est en train de chercher des histoires à Mawa! Si nous étions à Benares, j'aurais lâché une meute de chiens sur toi pour te calmer! Mais nous sommes pas à Benares, mais à Delhi. Il va falloir que Lalan fasse preuve d'ingéniosité pour montrer ce qu'il est! Chez-moi, Benares, un voyou de ton espèce embête une jeune fille, il ne lui reste qu'une option. C'est de prendre ses jambes à son cou et de s'enfuir le plus loin possible. S'il tient tant soit peu à sa misérable vie, sinon il aura affaire à Lalan. Tu es un grand malade. Va au diable, voyou! Mais qu'est-ce que... Mais t'es malade! Mais calme-toi, enfin! Kartik! Arrête! Lalan, mais tu es malade ou quoi? Tout va bien. N'aie pas peur. Regarde, je viens de te sauver des pattes de ce voyou. À l'avenir, je serai ton garde du corps personnel, ton bodyguard. Personne n'osera même plus poser les yeux sur toi. Crois-moi, si un de ces voyous se permet de te lancer ne serait-ce qu'un regard, je me chargerai de le rendre aveugle à vie, je te le promets. Oui. Ah! Hein? Imbécile! Idiot! Cet homme n'est pas un voyou! C'est mon mari! Est-ce que tu te rends compte? La responsable de ce qui se passe ici, ce n'est que toi! Tu es la seule et unique fautive. À cause de toi, Sagar souffre. Vidya souffre et la famille aussi. À cause du crime que tu as commis. Cet acte horrible que tu as commis il y a des années par cupidité est en train de gâcher la vie de tout le monde aujourd'hui. Et moi, dans toute cette histoire, je connais la vérité, mais je ne peux rien dire à personne. Je me demande comment mon fils réagirait face à cette vérité. Tu t'en tires vraiment bien, Sindoura. Je suis pieds et poings liés. Sinon, je te garantis que je t'aurais déjà fait regretter d'être venu au monde. Je me serais débarrassé de toi, car tu ne mérites pas de vivre. Ça suffit! Arrête de faire semblant. Ces larmes de crocodile ne laveront pas tous les péchés que tu as commis et ne rendront pas la famille plus heureuse non plus. Aniket,
Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu t'énerves contre elle? Je t'en prie. Il ne faut pas faire ça, je t'en prie. Regarde. Regarde. Tu l'as fait pleurer. Ma sœur est très gentille, très gentille. Sagar. Sagar, tu sais que ta sœur est quelqu'un de mais bien. Mais enfin, Niquette, s'il te plaît. Arrête, je t'en prie. Je la connais bien. Je sais très bien que Cindy est vraiment gentille, très gentille. En fait, elle est même... Cindy est la sœur la plus merveilleuse, la plus fantastique du monde entier. Cindy est celle qui prend soin de nous. Elle nous aime tous profondément. Plus que tout au monde. Plus que tout au monde. S'il te plaît, arrête, ne pleure pas, je t'en prie. S'il te plaît. Je sais que tu lui en veux beaucoup, j'ai compris cela. Elle a sûrement dû faire une erreur. Je peux le comprendre. Mais s'il te plaît, il faut que tu lui pardonnes, Aniquette, je t'en prie. Écoute, quelle que soit l'erreur qu'elle ait commise, ne lui crie pas dessus, je t'en prie. Tu n'as qu'à me punir à sa place. Sagar. Tu peux me gronder, tu peux me crier dessus, tu peux même me frapper si tu veux, mais... Mais ne fais pas pleurer ma sœur, je t'en prie. S'il te plaît. Chut, arrête. Ne pleure pas, ne pleure pas, je t'en prie. Calme-toi. Non, Aniquette, ne dis rien. Chut, pas un seul mot de plus, je t'en prie. Jure-le sur ma tête. Tu n'as pas honte? Ton frère t'idolâtre. Il te vénère plus que Dieu lui-même. Il met de côté sa propre souffrance pour essuyer tes larmes. Et toi, qu'as-tu fait pour lui? Tu l'as rendu handicapé à vie. Tu lui as donné une vie de souffrance. Je vous en prie, venez. Attention à la marche. Assieds-toi, chérie. C'est la femme de mon fils. Bienvenue. Nous organisons une fête pour le bébé. Et bien évidemment, vous êtes conviés. Félicitations. Quelle très bonne nouvelle. Vous avez l'air épanoui. Cela se voit sur votre visage. Vous rayonnez de bonheur. La maternité rend une femme vraiment très heureuse. C'est vrai, celle qui ne devient jamais mère ne se rendra pas compte du bonheur à côté duquel elle passe. Vous qui êtes mariée depuis plus longtemps que moi, il y a-t-il une raison particulière pourquoi vous n'avez toujours pas d'enfant? Si je peux me permettre, je vous conseille de ne pas attendre trop longtemps. Car cela risque d'être compliqué en vieillissant. Je suis désolée, Vidya. Je suis si maladroite.
Je n'avais aucunement l'intention de vous faire de la peine. Mais non, vous n'avez pas à vous excuser enfin. Vous ne m'avez pas embarrassée du tout. Je ne peux pas te croire. Tu dois être malheureuse. Mais tu peux difficilement faire autrement, puisque Sagar ne peut pas devenir père. Mais pas du tout, enfin. Nous avons déjà un enfant. Samir est bien notre fils. C'est tout à ton honneur, ma fille, d'avoir adopté l'enfant d'une autre femme. Mais voyons la vérité en face. Samir n'est pas votre enfant naturel à Sagar et toi. Bon, nous allons te laisser maintenant. On vous attend demain pour la fête, soyez à l'heure. Très bien. Viens, ma chérie. Pourquoi ? Elle vient de dire, Vidya, que je ne peux pas devenir papa. Ah, attends. Tu ne vas quand même pas croire tout ce que tu entends. Ça n'a pas de sens, voyons. En plus, tu sais très bien que tu es déjà un père. Celui de Samir. Nous n'avons pas besoin d'en avoir un autre. Allez, cesse de penser à tout ça. Je te sers ton petit déjeuner. Pourquoi est-ce qu'elle a dit que Samir n'était pas notre enfant? Et pourquoi quand elle a dit ça, Vidya est devenue tellement triste? C'est quoi mon problème à la fin? Pourquoi je ne peux pas devenir papa? Bonjour Sagar, comment vas-tu? Dis-moi Sagar, pourquoi est-ce que tu es allé poser la question à Vidya? Tu pensais réellement qu'elle allait te dire la vérité, hein? Jamais de la vie. En fait, tu sais, Sagar, un homme doit faire beaucoup de choses pour sa femme. Il se doit d'être toujours à ses côtés, de la soutenir, de l'épauler, de la protéger. Mais dans votre cas, Vidya et toi, on ne peut pas dire que tu fais beaucoup d'efforts pour elle. Elle est confrontée à des difficultés en permanence depuis qu'elle est mariée avec toi. Alors, c'est vrai, Vidya n'est pas heureuse avec moi. Qu'est-ce que tu fais encore là? Allez, arrête tout ça et viens donc prendre ton petit déjeuner. Allez, suis-moi. Allez, viens. Ah. Regarde ce que je t'ai préparé. À quoi penses-tu? Eh bien, je n'ai pas très envie de t'en parler maintenant, Vidya. Tu ne veux vraiment rien me dire. Pourtant, tu me disais tout ce qui te passait par la tête. Tu ne veux pas m'en parler? Eh bien, les deux dames qui sont venues te rendre visite, j'ai entendu tout ce qu'elles t'ont dit. Et ça, t'a fait beaucoup de peine. Et moi, tu sais, je n'ai pas aimé cela. Écoute bien ce que je vais te dire. Tant que tu seras auprès de moi, je ne pourrai jamais être triste, tu comprends? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'elles ont dit déjà? J'ai tout oublié.
Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié de te parler de quelque chose. Est-ce que tu te rappelles que l'anniversaire de mariage d'Aniket et de Cindy est pour bientôt, seulement dans quelques jours? Nous devrions faire quelque chose pour l'occasion. Oui, mais... qu'est-ce que nous pourrons faire dans ce cas précis? Laisse-moi réfléchir. Pourquoi ne pas organiser un petit voyage? Tous ensemble. Imagine, un changement d'air. Cela réjouira tout le monde, n'est-ce pas? Et pour Aniket et Sendora, ce serait formidable. Cela leur permettrait de se changer les idées. Ils finiraient par oublier leurs disputes. Et cela les rapprocherait davantage. Tu as tout à fait raison, Vidya. Nous devons le faire pour un changement. Je suis d'accord avec toi. Pour ce cher Aniket et également pour Sindoura. Mais pour nous aussi, Vidya. J'espère que cela me confirmera que nous sommes faits pour être ensemble, Vidya et moi. J'ai besoin d'être sûr que c'est le cas. Dieu Tout-Puissant, je t'en prie. Aide-moi. Je t'en prie. Aller à l'hôtel? Oui. Mais pourquoi? Votre anniversaire de mariage. Nous allons la fêter. Voilà pourquoi. Oui. Est-ce que vous avez oublié? Non. Comment oublier? Mais c'est la période des vacances scolaires. Nous n'aurons pas de place. Papa, ne te fais pas de soucis. Nous avons tout organisé. Oui, nous avons déjà réservé. Nous devons juste y aller. Quand partons-nous? Dans une heure, ça vous irait? C'est un peu précipité. S'il te plaît, papa. S'il te plaît, maman. Dites oui. D'accord. Oui, super, chouette. Allons vite faire nos sacs. Monsieur Océan, viens. Oui, nous allons préparer nos affaires. Les valises, allez tout le monde, à vos valises. Allez, super. Les valises, faites vos valises. Les valises, les valises. Vidya. C'est toi qui as tout fait. Oui. Je me suis dit... j'ai pensé que ce serait une bonne chose pour vous deux. Enfin, j'ai pensé que ce serait bien pour vous de changer un peu d'air. Vidya. Il y a une chose que j'aimerais que tu saches. Je te suis... redevable. De te soucier de moi comme tu le fais. Tu es un ange. Aniket, je ne comprends pas pourquoi vous vous disputez tous les deux. Cela ne me regarde pas. Mais est-ce que tu te rends compte que cela fait souffrir énormément Sindoura? Et qu'elle s'en veut terriblement. Je sais bien que je ne devrais pas te dire tout ça. Mais si je me permets de te dire ce que je pense, c'est parce que j'aimerais que vous soyez bien tous les deux. Tu as une âme pure et généreuse, Vidya. Mais il y a beaucoup de choses entre Sindoura et moi que tu ignores. Tellement de choses se sont passées que je ne peux pas te raconter. Et qu'il m'est difficile de pardonner à Sindoura. Ses remords ne pourront malheureusement jamais effacer ses péchés. Ses péchés? Je ne resterai pas ici une minute attends, de plus. Arrête. Je m'en vais. Mawa, je t'en prie. Je suis ravi
de vous avoir vu avant de quitter cette maison. Car ainsi je n'aurai pas de regret de ne pas avoir pu vous dire au revoir avant de partir. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me rend triste. Je m'en vais. Je quitte votre maison, ainsi que cette magnifique ville. Croyez-moi que vous me reverrez plus jamais. Je retourne à Ménarès. Je vous dis adieu. Lalonde, arrête! Ça suffit, j'ai dit arrête, ne pars pas, reviens tout de suite. Reste là. Mais qu'est-ce que... Vas-y toi, ma très chère Mawa, parle-lui. Il a un entretien d'embauche demain dans une très grosse entreprise, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est sur le point de quitter la ville pour de bon. Mais qu'est-ce qu'il croit? Que de telles opportunités se présentent tous les jours? Mais enfin, pourquoi Lalonde veut-il partir? Vous avez oublié! Comme vous m'avez insulté à l'hôtel l'autre jour, vous m'avez humilié, tout le monde se moquait de moi. Vous m'avez fait passer pour un moins que rien. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi maintenant? Qu'est-ce que vous croyez? Il va oublier que je m'en aille. Lalou. Lalou. Hé, hey, Lalou. Mawa, retiens-moi, s'il te plaît. Ou je serai obligé de retourner vivre dans ce village infâme de Ménarès où je n'ai pas du tout envie d'aller. Fais quelque chose. Empêche-le de partir, Mawa. Ce n'est pas un mauvais garçon. Tu te rends compte qu'il est sur le point de gâcher sa vie pour une histoire sans importance? S'il te plaît, ma très chère Mawa, qu'est-ce que cela va te coûter d'aller t'excuser auprès de lui? Cela va le calmer et l'empêcher de gâcher sa vie, je t'en prie. Allez. Lalan, attends! Ah, oh, merci, mon Dieu. Lalan, je suis désolée. Je n'aurais pas dû me comporter de cette façon avec toi. Je te demande pardon. Je... Ne pars pas, s'il te plaît. D'accord, puisque c'est toi qui me le demandes si gentiment, alors je vais rester ici. C'est bon, Lalan, va dans ta chambre regarder la télé un moment. Je vais te rejoindre dans 2 minutes. Allez. Entendu. Merci infiniment pour ce que tu as fait, Mawa. Merci du fond du cœur. Tu ne peux pas savoir à quel point ce que tu penses et ce que tu dis est important pour Lalan. Pour lui, tes paroles sont des paroles sacrées. Je te laisse tranquille. Merci encore. Merci. Dis-moi, Chalou, mais qu'est-ce que tu fais encore? Qu'est-ce qui se passe, maman? Pourquoi est-ce que tu me cries dessus? Lâche ça, lâche! Oh mon Dieu! Je ne me souviens plus. C'est quoi la suite? C'est comment déjà? C'est fou. Depuis que je suis ici, je ne sais plus ce que je dois dire. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Ma chance est en train de tourner! Maman, notre chance a plutôt bien tourné depuis que nous sommes à Delhi. C'est pour ça que tu ne te souviens plus de ce que tu me disais avant. Oui, c'est ça. Mais écoute, si tu n'es pas un peu plus vigilante, ma petite, nous allons finir par ne plus avoir de chance du tout. Qu'est-ce qui te prend, maman? Pourquoi es-tu aussi énervée? Ce qui me met hors de moi, c'est que tous ces gens vont se payer des petites vacances dans une sorte de complexe hôtelier. Ah oui! C'est vrai, j'ai entendu Sagar pousser des cris de joie. Il n'arrêtait pas de répéter à tout le monde « Préparez les bagages, on part en vacances !» Il était hystérique. Tu sais quoi? Moi aussi, je vais aller préparer mes bagages. On va bien manger, on va bien rigoler, ça va être vraiment chouette, on va bien s'amuser. Arrête! On ne va aller nulle part, toi et moi, tu m'entends? Mais pourquoi, maman? Arrête de me poser des questions et fais ce que je te dis, hein? Écoute. Je vais de ce pas aller parler à Vidya. Et de ton côté, tu vas faire ce que je te dis, d'accord? On fait comme ça, je m'occupe d'une partie du plan, et toi, ma fille, tu t'occupes du reste. Compris? Allez, on y va. Alors, tu n'as pas encore préparé tes affaires, Chalou? Tout le monde est prêt à partir, tu sais? Pourquoi tu lui demandes de préparer ses affaires? C'est vrai, quoi. On ne sait même pas si on est invité. Chinou, chérie, j'aimerais vraiment venir avec vous. Mais je me demande si les autres vont accepter de nous emmener. Mais qu'est-ce que tu racontes, enfin?
vous faites partie de cette famille. Et c'est l'anniversaire de mariage d'Aniket et de Sindoura. Nous devons tous être là pour fêter l'événement. Écoute, Chino. Oui. Je suis venue pour te demander de me rendre un service. Je suis vraiment très gênée de te demander ça, mais... est-ce que tu pourrais... veiller sur la maison en notre absence, s'il te plaît? Si tu acceptes, tout le monde pourra partir à l'esprit tranquille. Parce que tu sais très bien, Chino, que... mère part pour quelques jours en pèlerinage. Alors, ce serait bien que quelqu'un reste à la maison. Et donc, je me suis dit que peut-être... que... peut-être... Shalou et toi... Bien sûr, Vidya. Avec plaisir. Tu peux très bien compter sur nous. Merci infiniment. Chino, voici les clés de la maison. Surtout, n'hésite pas à nous appeler en cas de problème. Je compte sur toi. Bon, maintenant, je vais m'assurer que Sagar a préparé sa valise. D'accord. Tends tes mains. Est-ce que j'ai bien fait? Cela m'a beaucoup gênée de lui demander de faire une chose pareille. C'est vrai, je me demande ce qu'il va penser de moi maintenant. Ne t'inquiète pas, Vidya. Ce que tu as fait, ma chérie, était très bien. C'est très important pour Chinu et Shalou de se retrouver un peu seuls dans cette maison. Nous allons bientôt célébrer leur mariage, tu sais. Et pourtant, ils ne se comportent toujours pas comme mari et femme. En passant un peu de temps ensemble, ils pourront forcément se rapprocher l'un de l'autre. Je vais prier, ma tante, pour que cela arrive. Mais j'espère vraiment qu'il ne m'en voudra pas. Je me sens très mal. Tends tes mains. Pourquoi ne pas tout lui dire? Je suis sûre que si nous lui disons la vérité, il acceptera avec plaisir, car c'est pour son bien. Je vais le lui dire. Non, chérie, non. Attends, ne fais pas ça. Si tu lui dis la vérité, nous ne sommes pas sûrs qu'il acceptera de rester. Et même s'il acceptait, ce ne serait quand même pas pareil. Je suis sûre que tu vois où je veux en venir. Pas vrai, chérie? Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Comme tu voudras, tendre tes mains. Je te félicite. Beau travail, Emma. C'est Vidya qui endosse toute la responsabilité. Et moi qui retire tous les bénéfices. Maman, papa, c'est Vidya qui a mis tous ces cadeaux et toutes ces fleurs pour vous. C'est très beau? Oui. Et il y aura beaucoup d'autres surprises pour vous ce soir, vous savez? Maman, Monsieur Océan doit se demander où je suis. Je vais aller le voir. Salut. Surtout ne fais pas de bêtises. D'accord. Qu'y a-t-il? Je pense que la bonté de Vidya est la pire punition pour tous mes péchés. Toutes ces gentilles attentions me font penser à quel point... Je suis méchante.
Et j'ai fait tellement de mal à Vidya. Et à Sagar aussi. Je ne pourrai jamais rendre à Vidya. Le quart de ce qu'elle a fait pour moi. Non, jamais. Vidya ? Sunita ? Vidya ! C'est fou que tu aies pu me reconnaître. J'étais sûre que tu me prendrais pour une étrangère. Pour être honnête, j'ai eu du mal à croire que c'est bien toi. Il faut dire que cela fait longtemps que tu... Que je me suis enfuie. Tu le savais, n'est-ce pas ? Je le savais. Cette histoire a fait tout le tour de la ville. Oui, c'est bien vrai. Mais maintenant, tout va bien. Quand ma famille a rencontré mon Rajesh adoré, je te promets qu'ils l'ont adopté tout de suite, sans chichi. C'est qui ? C'est mon mari, pardi. Il m'aime plus que tout au monde. À tel point qu'après 4 mois, il m'a fait un beau cadeau. Oh, félicitations. Quelle bonne nouvelle. Tu ne peux pas savoir combien ton bonheur me ravit et me comble de joie. Vidya, tu t'es mariée toi aussi, n'est-ce pas ? Quand vas-tu nous annoncer un heureux événement ? Te voilà, Sunita. Oui? Je te cherchais partout. Voici Rajesh. Rajesh, voici Vidya. Nous sommes amis d'enfance. Enchantée. Enchantée. Dis-moi, ton mari n'est pas avec toi, Vidya ? Eh bien, il était pas loin il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas où il est passé. Ah ! Mais enfin ! Vous êtes aveugle ou quoi ? Espèce d'imbécile ! Désolé, monsieur. Vous savez, j'étais en train de jouer. Tu penses que c'est l'endroit pour ça ? Venez, par ici. Désolé. Emmenez-le désolé, tout de suite. Faites-le vite partir. Navré, monsieur. Attendez, une minute. Attendez, lâchez-le. Écoutez, je suis sûre que c'est un accident. Pardonnez-lui, il ne l'a pas fait exprès. Qu'est-ce que tu racontes, Vidya ? Tu ne vois pas que cet homme n'est pas normal ? Il est tout à fait normal. C'est mon mari et il va bien. Cet homme est ton mari ? Écoute, je suis désolée. Sincèrement, désolée qu'il t'ait bousculé. Allons-y. Je te présente mes excuses, Vidya. On peut en parler, s'il te plaît ? Pas maintenant. Nous sommes un peu pressés. Allez, viens. Vidya, elle est une de tes amies, pas vrai ? Pardon, désolé. Je n'ai pas fait exprès de la bousculer. C'était un accident. Pardon, je vais aller m'excuser auprès d'elle. Non, n'y va pas, comme tu viens de me le dire. Ce n'était vraiment pas de ta faute, Sagar. Tu n'as pas à t'excuser à nouveau. Vidya, s'il te plaît, elle avait l'air tellement en colère. Je vais quand même aller lui demander pardon. Comme je te l'ai déjà dit, ce n'est pas la peine. Elle comprendra, je t'assure. Non, elle ne comprendra pas, crois-moi. S'il te plaît, c'est une bonne amie à toi. Je ne veux pas qu'elle ait une mauvaise impression de toi. Je dois lui présenter des excuses. J'y vais, je m'excuse et je reviens. À tout de suite. Attends, n'y retourne non, pas, Vidya. Ne fais pas ça. Ne... Monsieur, vous vous souvenez du monsieur que je viens à l'instant de bousculer accidentellement ? Oui. Où puis-je le trouver ? Par là-bas. Dans cette direction ? Oui. J'ai de la peine pour Vidya. C'est terrible ce qui lui arrive. Le pire, c'est que je sais que la pauvre fille ne pourra jamais en parler. Dire qu'elle a toujours rêvé de rencontrer le prince charmant. Et tu as vu ? Le genre de mari qu'elle s'est trouvé ? Tu as raison, Sunita. C'est vraiment triste, ce qui lui arrive. Il y a une chose que je vais te dire.
Vidya est la plus gentille de toutes mes amies. La plus cultivée, la plus généreuse. Et malheureusement, il a fallu qu'elle tombe sur le pire des maris. Et le plus triste, c'est qu'elle fait semblant d'être très heureuse. Elle agit comme si tout était parfait. Monsieur Océan, mais qu'est-ce que tu fais là? Rien du tout. Allons-y. D'accord. Allons-y. Nous avons la fête oui, à organiser. Oui, c'est vrai. Allons-y vite. Tu te souviens? Joyeux anniversaire de mariage! Quelle superbe fête! C'est la même musique que celle qu'il jouait pour le mariage de Kalua. Ce n'est rien, Sagar. Chut, ne t'en fais pas. Ce n'est pas grave. Toucha, je ne l'ai pas fait exprès. Calme-toi. Ça va aller, calme-toi. Ce n'est rien, madame. Tout va bien. Ce n'est qu'une petite entaille. Que quelqu'un apporte vite une trousse de secours, s'il vous plaît. Je te jure que je ne l'ai pas fait exprès. Je le sais. Vidya, c'était un accident. C'était un accident. Rien qu'un accident. Ce n'est pas grave. Calme-toi maintenant. Chut. Ce n'est pas grave. Je ne voulais pas la blesser, je t'assure. T'en fais pas. Je ne voulais Calme-toi. Pas. Calme-toi. Je suis là. Je me suis occupé de sa blessure, Sagar. C'est fini maintenant, d'accord? Il n'y a rien de grave. Touchard, je ne voulais pas lui faire de mal. Je ne l'ai pas fait exprès. Je sais, Sagar. C'est fini maintenant. Partons dans notre chambre. On va y aller? Allez, allons-y. Viens. Tout va bien. Chut, qu'est-ce que ce malade mental fait dans cette soirée? Il aurait pu envoyer ma femme à l'hôpital. Mais monsieur, c'est... Comment peut-on laisser ce fou sortir de chez lui? Partons. Viens, Sagar. Attends, Vidya. Cette fête est donnée en l'honneur de la famille Pratap Singh. Et voici Sagar Pratap Singh. Le seul héritier de cette famille. Le seul et unique. D'après la plupart d'entre vous, il n'est pas normal. Mais sachez qu'il a un plus grand cœur que vous tous réunis. Vous devriez tous avoir honte de vous. Vous faites toute une histoire pour une simple broutille. Ce qui s'est passé était un accident. Un accident qui aurait pu arriver à n'importe lequel d'entre nous. Nous ne vous forçons pas à rester à notre fête. Vous êtes libres. Mais laissez-moi vous dire une bonne chose. Aucune fête célébrée en l'honneur de notre famille ne se fera sans mon frère. Je vous le garantis. Sindoura a tout à fait raison. Nous devrions rougir de notre comportement.
Nous sommes là à en faire toute une histoire, alors que ce n'était rien de grave. Nous avons tous une belle leçon à retenir de son épouse, qui vit tous les jours avec lui, qui doit constamment s'occuper de lui et veiller sur lui. Et qui ne se plaint jamais à personne de ce qu'elle vit quotidiennement. Nous devrions tous admirer cette femme pour le courage dont elle fait preuve. Nous devrions tous la féliciter. Elle a sacrifié sa vie pour cet homme. La vie dans ces conditions n'est pas simple. Son dévouement est sans limite. Elle fait don de sa personne et renonce à tout sans se plaindre. Vidya est une femme exemplaire.